من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Seigneur des mondes, qui a bien voulu faire de nous des vivants jusqu'à cet instant précis, et qui, en plus de cette grâce de nous avoir donné la vie, nous a maintenus dans une autre de ses grâces, qui est la meilleure de ses grâces. Parce que lorsqu'il parachevait la religion, l'envoi de tous les messagers sur la terre, il dit dans la Sourate 5, verset 3, « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum » Et ici, la seconde parole est que j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et ce bienfait-là, il dit dans le dernier, on a dit tout là comme l'islam a dit. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Il nous dit encore dans la sourate 3, verset 19, il dit, il n'a dit rien d'Allah, il islam. Dit la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Au verset 85 de la même sourate, il dit Waman yabtagi gayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit encore dans le Coran, dans la sourate 3, au verset 5, dans toujours la même sourate, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et dans la sourate 21, verset 115, il dit لقد كتبنا في زبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Il dit nous avons prescrit dans le Zabour le livre que le prophète David, qu'on appelle Daoud alayhi salam, a reçu. Et bien avant cela, dans le Zikre, qui selon l'explication des savants et le Laoul Mahfouz, Allah il avait déjà écrit là-bas, que nous allons faire hériter de la terre les serviteurs pieux. Il va dire sans les hommes. Les serviteurs pieux d'Allah sont ceux-là même qui allaient hériter de la terre. Donc c'est une très très grande grâce qu'Allah nous a faite de nous d'établir dans sa grâce, de nous établir dans l'islam, de faire de nous les meilleurs qu'on ait fait surgir pour les hommes. Et particulièrement aujourd'hui, ce matin, nous, les élèves d'Abdul Mahdi, vos frères, réunis au sein de la brigade anti-mensonge, qu'on appelle la BAM, ou encore les bons amis musulmans en raison administrative, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir, et disons cet après-midi ou ce matin, quelle que soit la position que vous vous trouvez. En tout cas, on est heureux d'être avec vous, particulièrement pour partager ce qu'il y a de plus grand. Parce que cette rencontre-là, le sous-bassement ou le but n'est pas une rencontre mondaine. Ce n'est pas non plus pour un but, on va dire, éphémère que nous nous sommes rencontrés ce matin ou que nous sommes ensemble. Et nous sommes ensemble pour partager ce qu'il y a de plus grand, le zikre d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Wa la zikrullahi akbar » Il dit « Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. » Et j'ai pour habitude de le dire, même si tu ne comprends pas la langue arabe, tu sais qu'on a l'habitude de dire Allahu Akbar. On dit Allah, il est Akbar. Et Allah enfin vient nous dire dans son livre que Azikurullahi Akbar. Lui, son rappel aussi est Akbar. Donc, le fait de se souvenir, de se rappeler d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et il dit dans un autre verset Ya yualladina amanu la tulhikum amwa'alukum wa la awladukum an zikrillah. Il dit, oh, vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Ah, après avoir dit que le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, Allah maintenant, il nous envoie un garant, une menace, et en même temps un avertissement. Il dit, Waman yaf'al, et quiconque fait cela, Zalika fa'ula'ika humul khasirun.
En réalité, qui sait ce qui sera du nombre des perdants? Donc Allah, après nous avoir montré la grandeur du fait de se souvenir, de se rappeler de lui, et nous montre que ceux qui ne le font pas par distraction, par les biens matériels, ou par distraction, par, n'est-ce pas, les enfants ou la famille, qui sait ce qui sera du nombre des perdants? Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans un endroit très béni, et on a pour habitude de le dire de la même manière que nous ici, comme quand nous sommes sur la terre, le ciel est orné d'étoiles, et nous voyons dans ces ténèbres, dans ce noir, nous voyons que quelques points brillants, quelques points lumineux dans le ciel. Et de cette même manière-là, lorsque les anges sont dans le ciel, ils voient sur la terre des endroits brillants comme des étoiles. Et dans ces endroits-là, c'est bien sûr les endroits où on lit le Coran, où on fait le rappel, où on se souvient d'Allah. Et Nabi alayhi salatu wa sallam nous dit dans l'une de ses paroles, qu'Allah il a décrété des anges sur la terre qu'on appelle des anges itinérants. L'objectif de ces anges-là, ce n'est ni de venir consommer la nourriture sur la terre, ni de venir même prendre les actions des gens. Eux, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de se promener à la surface de la terre pour rechercher les endroits comme celui-ci. Les endroits où on se souvient d'Allah, où on parle d'Allah. Et il nous enseigne que lorsque ces anges-là, merci, trouvent les endroits où on parle d'Allah, ils s'appellent entre eux en disant, venez à votre affaire. Allahu Akbar. Ils appellent le fait de se souvenir ou le fait de se retrouver dans ces endroits-là leur affaire. Ils s'appellent les uns les autres. Venez à votre affaire. Venez à votre affaire. Et lorsqu'ils arrivent dans cet endroit-là, ils nous enseignent qu'ils font un tunnel jusqu'au ciel. Et dans ce tunnel-là, Allah fait descendre sa miséricorde. Il fait descendre sa rahma. Il fait descendre sa sakina, sa paix du cœur, sa sérénité du cœur. Et dans un autre hadith, il continue cette même parole en disant, lorsque ces anges arrivent auprès d'Allah, il y a un échange qui a lieu. Allah étant sachant et savant de toutes choses, il leur pose des questions suivantes. D'où venez-vous? Il demande à ces anges. Et les anges répondent, nous venons de la terre. Allah leur demande, bien qu'étant savant et sachant de toutes choses, qui avez-vous vu sur la terre? Et les anges disent que nous avons vu tes serviteurs, les êtres humains. Et Allah, bien qu'étant savant, leur pose la question, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et les anges répondent, ils étaient en train de se souvenir de toi. Alors que pour l'entendement humain, pour se souvenir de quelqu'un, il faut l'avoir vu auparavant ou il faut le connaître. Alors Allah il demande aux anges, mais m'ont-ils déjà vu pour qu'ils se souviennent de moi? Alors les anges répondent à Allah, non, ils ne t'ont jamais vu, mais ils se souviennent de toi, ils exaltent ta grandeur. Et les anges demandent à Allah, et Allah, pardon, il demande aux anges, et s'ils m'avaient vu? Et les anges lui répondent, s'ils t'avaient vu, Ya Rab, ils exalteraient encore plus ta grandeur. Ils passeraient toute leur vie dans le fait de se souvenir de toi, dans le fait de s'asseoir dans ce genre d'assises-là. Et Allah il continue avec les anges, bien qu'étant savant et sachant de toutes choses. Il demande aux anges, que désirent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi pour pouvoir accomplir ces actions-là? Alors que si tu demandes à tout être humain, le plus grand de ses désirs, c'est bien et bien le paradis. Et les anges disent à Allah, ils désirent le paradis. Quand je dis les humains, je parle des croyants surtout. Parce qu'il y a des gens dont le désir ardent, c'est les biens matériels, les biens éphémères de ce bas monde. Mais lorsque on demande à un croyant son désir, par-dessus tout, c'est le paradis son désir. Parce que c'est là le bonheur éternel. Donc Allah, il demande aux anges, qu'est-ce que mes serviteurs désirent, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Il dit qu'ils désirent le paradis. Ils veulent, n'est-ce pas, profiter de ta récompense. Ils veulent bénéficier de la récompense, ton bonheur infini. Et alors Allah il demande, mais est-ce qu'ils ont déjà vu le paradis, les serviteurs? Les anges répondent, non, Allah, ils n'ont jamais vu le paradis. Alors Allah il demande, mais est-ce qu'ils avaient vu le paradis? Ah, les anges répondent, Ya Rab, s'ils avaient vu le paradis, je crois qu'ils allaient se rapprocher de tout ce qui peut les conduire au paradis. Ça, c'est ce que les anges disent. Ils disent que si les serviteurs avaient un temps soit peu, vu le paradis, ils allaient se rapprocher de tout ce qui peut les conduire au paradis. Et le prophète Allah sur toi, cela nous enseigne concernant le paradis. Fiha ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tahtahun. Il dit dans le paradis, il y a ce que vos âmes désirent. Il y a encore plus que ce que vos âmes désirent. Alors que l'être humain, nos désirs sont tellement grands pour ce bas monde-là que si on doit transcrire ça ou transférer ça au paradis, c'est clair que ça ne peut même pas contenir ce qu'il y a de l'esprit sur la terre. Parce qu'on désire beaucoup de bonnes choses. Et c'est ce que les anges disent à Allah. Et le prophète nous dit dans le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure dans
le verset de la soirée pour fils, de la soirée pour cela. Alors, la dernière question qu'Allah pose à ses anges, il dit, qu'est-ce qu'ils redoutent? De quoi ont-ils peur? Si tu demandes à un croyant ce qu'il redoute par-dessus tout, toutes les épreuves de ce bas monde, il te dira qu'il redoute l'enfer. Alors, Allah, il demande, qu'est-ce qu'ils redoutent? Les anges disent que tes serviteurs redoutent l'enfer. Allah demande aux anges, est-ce qu'ils ont déjà vu l'enfer? Les anges disent, non, ils n'ont jamais vu l'enfer. Alors, Allah, il demande, mais et s'ils avaient vu l'enfer? Les anges vont répondre, s'ils avaient vu l'enfer, ils allaient s'éloigner de tout ce qui peut les conduire en enfer. Allah nous préserve de l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas un lieu que l'homme peut désirer. Lorsqu'on entend certaines personnes dire souvent, quelque chose, mes actes, on dit que je serai envoyé en enfer, mais après au paradis, on dit que c'est l'ignorance. Parce que Allah, lorsqu'il nous décrit l'enfer dans le Coran, c'est un endroit où on ne peut même pas, n'est-ce pas, rêver, c'est-à-dire envisager ça pour même celui que tu n'aimes pas sur la terre. Donc c'est un endroit où il ne faut même pas aller. Parce qu'on nous enseigne le Bouddha Salam. Et si tu prends quelqu'un qui a été le plus aisé dans ce bas monde, qui a vécu tout ce qu'il y a comme grâce, lui, il a eu tout ce qu'il y a comme bonheur dans ce bas monde, tout ce que tu peux imaginer comme bien, lui, il a vécu ça dans cette vie-là. De sorte à ce qu'il ne désire plus rien de bon encore. On dit, tu le prends, tu le fais passer, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, c'est-à-dire un millième de seconde, tu le fais passer en enfer. Et puis, tu lui poses la question. Est-ce que tu as déjà vécu le bien sur la terre? Il te dira que depuis qu'il est né, il va jurer que depuis qu'il est né, il n'a jamais vécu le bonheur. Tellement l'enfer est quelque chose qui est vraiment difficile. Lorsqu'on nous décrit les différents enfers, les différents degrés d'enfer dans le Coran, à travers le Sakkar, qui est pour ceux qui n'accomplissent pas la Torah, et bien d'autres enfers, c'est quelque chose qui est vraiment difficile et qu'on ne peut même pas souhaiter à son ennemi. Alors les gens disent, s'ils avaient vu l'enfer, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Allah dit, pardon, s'ils avaient vu l'enfer, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Les anges répondent à Allah, s'ils avaient vu l'enfer, ils s'éloigneraient de tout ce qui peut les conduire en enfer. Donc, chers frères et sœurs, toutes ces paroles de Nabi Salam pour nous montrer l'importance de ce genre d'endroit. Et on termine avec ce hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, au jour de la résurrection, il s'arrêtera, dans un hadith Qudsi, devant l'humanité tout entière, il posera les questions suivantes. Aïn al-Mutad. Qui sont ceux qui ont fait des assises à ma majesté? Quels sont ceux qui se sont aimés entre eux à ma majesté? Qui sont ceux qui se sont dépensés à ma majesté? Il dit, aujourd'hui, ils seront sous mon ombre le jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne. Le simple fait de s'asseoir dans un endroit pour écouter Allah et la parole d'Allah et pour faire le zikr d'Allah, regardez la récompense qu'il y a. Donc, pour nous montrer l'importance de cette assise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chers frères et sœurs, toutes ces paroles-là, le but a été cela, c'est de couper l'écho là. L'objectif de toutes ces paroles-là. David. En français d'abord, ou bien on a quand complété dans notre. D'abord, en français d'abord. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute un refus, hein. Ok, on a pu. Vous pouvez bien refus la maison. On a dit qu'il y a radio dans la maison, la RFI. C'est en français, un refus par nous. Ah, ou bien un refus de la maison, je la gagne. Ah, Inch'Allah, on a un refus de la maison. Alors, puisqu'on est en direct aussi, pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent aussi nous comprendre. Inch'Allah. Donc, Alhamdoulilah, le Kouman Ber, c'est pour montrer l'importance de l'assise dans laquelle nous nous trouvons en ce moment-là. Et le thème qui nous a été soumis, on va prendre à peine 10 minutes, je crois, puisqu'on veut aller à l'échange. Que vous nous donnez vos préoccupations pour qu'on puisse ensemble les traiter à la mesure de notre connaissance et de notre possibilité. Donc, on va rapidement partager sur le thème. Et le Ramadan ou la préparation du Ramadan, on va dire tout ce qui inclut le Ramadan. Parce qu'on parle de l'usage d'une bonne spiritualité et d'un agrément divin. C'est un peu le thème. Donc, Alhamdoulilah, chers frères et sœurs, le Ramadan est une grâce. Voilà, le Ramadan est une école. Le Ramadan est une école. Pourquoi nous disons que le Ramadan est une école? Parce que Allah même a fait du Ramadan une école. Nous dit dans le Coran, dans la Sourate 2, verset 182,
kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et comme on comprend ce verset dans un essai de traduction, oh vous qui avez cru, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. C'est pas le Ramadan, mais c'est le jeûne qui a été prescrit aux communautés d'avant vous. Il dit ainsi atteindriez-vous la piété. C'est comme si nous disons à quelqu'un, on t'a envoyé à l'école pour que tu puisses avoir des diplômes. On t'a envoyé à l'école pour que tu puisses avoir une bonne éducation. On t'a envoyé à l'école pour que tu puisses aller à l'école de la vie, apprendre les choses de la vie. C'est ainsi qu'Allah est en train de nous décrire le Ramadan. L'école de la piété, c'est bien et bel le Ramadan. Et comment se préparer pour pouvoir avoir l'agrément divin dans ce mois de Ramadan, dans cette école-là, pour sortir avec le meilleur diplôme qui est la piété? La préparation, c'est pour ce Ramadan, pendant Ramadan, donc d'abord pré-Ramadan, pendant Ramadan, et puis, on va dire, le réjaillissement de cette préparation-là est pour ce Ramadan, c'est-à-dire après le Ramadan. Alors, nous enseigne que les compagnons, ils doivent alors aller ihim, ils préparaient Ramadan sur 6 mois, et les traces de Ramadan restaient sur eux le temps de l'autre Ramadan. C'est-à-dire que dès que Ramadan vient, lui, les traces de Ramadan restent sur lui jusqu'à ce que l'autre Ramadan ou la mi-année avant l'autre Ramadan arrive pour qu'il puisse prendre les autres mois pour se préparer pour le Ramadan prochain. Comme vous dites que ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. C'est quelque chose de très, très important. Ramadan est fini les 5 mois après Ramadan. Les traces de Ramadan sont encore sur eux. Et les 6 autres mois qui vont les conduire au Ramadan prochain, ils utilisent ces 6 mois-là pour se préparer pour le Ramadan qui doit venir. Et la préparation, elle est tout d'abord physique. Préparation physique, c'est préparer le corps. C'est pourquoi le mois de Shaaban dans lequel nous sommes est un mois où il est recommandé de jeûner. Beaucoup jeûner, surtout dans la première quinzaine, la première partie du mois de Shaaban. Pourquoi? Pour pouvoir se préparer pour le mois de Ramadan, pour préparer le corps pour ceux qui ne sont pas habitués à jeûner, à pouvoir supporter les 30 jours de jeûne sans interruption. Parce que là, tu jeûnes, tu peux rompre le jeûne à tout moment. Mais dans le mois de Ramadan, c'est un jeûne sans interruption pour les 30 jours, à part pour nos mamans à qui Allah a fait la grâce de leur donner un petit repos. Là, c'est le repos que nos sœurs, Anne-Grippe, vous l'aiment beaucoup. Elles attendent ça ardemment. Les 5 jours, 6 jours, là. Ah! Elles construisent, mais ça n'a qu'à arriver vite pour qu'elles puissent se reposer. Hormis cet endroit où c'est, on va dire, ce temps-là, c'est 30 jours pleins de jeûne, surtout pour les hommes et pour les moments qu'ils ont déjà à la ménopause. Donc, 30 jours, ça demande une préparation physique. Pour ceux qui n'ont pas des maladies qui les empêchent de jeûner, c'est le moment déjà de consulter les médecins pour trouver des astuces pour qu'ils puissent jeûner. Parce que nos frères Doula aussi, mon petit Doula, c'est toujours eux de demander de une serre. Il n'y a pas une serre durant 11 mois, mais 12e mois là, toujours une serre commence. Donc il faut commencer à avoir envie de les croyants là. Il nous faut même si jeunes même. Ils mettent voilà dans le bouilloire pour aller se cacher dans. On a vu dans mon système, arrêtez ça un peu. Arrêtez, on a vu dedans. Voilà. Donc déjà, il faut consulter les médecins. Pour ceux qui ont des petites maladies, du cerf surtout gastrique, qui empêche souvent de jeûner, il faut voir les médecins pour qu'ils puissent t'aider, pour qu'ils puissent te donner les astuces ou les remèdes qui vont te permettre de jeûner. Regardez un miracle. Beaucoup de personnes sont atteintes de certaines maladies qui les empêchent de jeûner hors Ramadan. Mais lorsque le Ramadan arrive, ils arrivent à jeûner propre. Parce que dans le jeûne, il y a une guérison. Dans la suite des versets, Allah le dit. Le jeûne est une guérison aussi pour le corps. Et de manière thérapeutique, les médecins même l'ont reconnu. Ils l'ont découvert il n'y a même pas longtemps. Le jeûne accompagné de lecture est très, très thérapeutique. Regardez le miracle. On dit quand tu jeûnes, c'est-à-dire tu t'abstiens de manger, ça permet à ton estomac et à certains vaisseaux de ton corps de se reposer. Parce qu'on mange à chaque fois, l'estomac est tout en train de travailler, ça fatigue. Donc ça permet à l'estomac de se reposer, c'est déjà une guérison que ça te donne. On dit, mais en plus de ça, quand tu l'accompagnes de lecture, ça t'aide encore plus. La lecture, elle est à double sens. Parce que le Coran, alhamdoulilah, on le lit, on le récite. Donc, tu peux réciter le Coran. Tu peux le lire si tu peux. Donc, déjà, sur les deux plans, Allah nous a déjà donné cette facilité-là. Il y a déjà la guérison dans ce jeûne-là. Après avoir consulté le médecin, et sur le plan physique, on s'est préparé, on rentre maintenant dans l'étape spirituelle qui est l'intention. Ou d'abord, avant
dans l'intention même d'oublier une étape, les doigts. Parce que, chers frères et sœurs, la mort fait partie de la vie du croyant. La mort fait partie de notre quotidien. Parce qu'à tout moment, la mort peut nous surprendre. Et ce qui est intéressant pour le croyant, c'est de ne pas se laisser surprendre par la mort. Parce qu'elle dit dans le Coran, la mort que vous croyez fuit, moi j'aime traduire ça comme ça, va certes vous rencontrer. On dit que tout ce que nous faisons nous conduit vers un seul instant qui est la mort. Donc on est aujourd'hui, n'est-ce pas, à une semaine ou à 10 jours, particulièrement du mois de Ramadan ou 9, mais rien ne montre que nous allons tous atteindre le mois de Ramadan. C'est à tout musulman, tout croyant doit se mettre en tête. Alors il y a la doua à faire. Allahumma balighna Ramadan. Demandez à Allah de nous faire parvenir jusqu'au mois de Ramadan. Ça, c'est une première étape spirituelle. Demandez à Allah de te faire parvenir au mois de Ramadan. Parce que rien ne dit, aucun décret n'a été signé pour dire que nous allons atteindre tout ce Ramadan. En tout cas, pas à notre connaissance. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'être humain faible et ignorant du futur et de ce qui va venir plus tard? Nous, on doit demander à Allah de nous faire parvenir à Ramadan. C'est la première étape. C'est une doua que le prophète sallam il a enseigné à ses compagnons et il le faisait tous nos pieds prédécesseurs. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette période depuis Shawwal et depuis comment on appelle ça, et Rajab et Shaban, il commençait déjà à demander à Allah de les faire parvenir vers le mois de Ramadan en faisant la doua que j'ai dit tout à l'heure où Allah fait nous parvenir au mois de Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Oh Allah, fait nous parvenir au mois de Ramadan. Ça c'est la première étape. On demande à Allah de nous faire voir Ramadan. Et lorsque par hasard alors le Ramadan est en train d'être approché, on commence déjà à se préparer en esprit, comme on a pour habitude de le dire, l'intention. On commence déjà à prendre de bonnes intentions pour le mois de Ramadan. Et quelles sont ces intentions-là? La première intention, c'est, n'est-ce pas, de jeûner. Mais bien avant ça, il faut déjà l'intention du repentir sincère. Parce que le Ramadan, comme on l'a dit, est l'école de la piété. Le Ramadan vient nous entraîner à délaisser nos mauvaises habitudes et à ressortir avec le diplôme qui est la piété, la taqwa. On demande à Allah, on prend de bonnes intentions dès maintenant de nous aider à pouvoir délaisser nos mauvaises habitudes parce qu'on en a tous. Et ces mauvaises habitudes-là, c'est soit des péchés. Tout fils d'Adam est pécheur. Kulubani Adam Khator. Tout enfant d'Adam est un pécheur. Donc déjà, on prend l'intention de délaisser certaines mauvaises habitudes qui ont atteint au péché. On demande ça à Allah. On prend l'intention de délaisser, mais on demande la force à Allah de nous aider à les délaisser. Si toi, ton épreuve, c'est, par exemple, la cigarette, si ton épreuve, c'est, je sais qu'il n'y en a pas ici, forcément, la drogue, si ton épreuve, c'est, n'est-ce pas, la fornication, l'adultère, l'alcool, toutes ces épreuves, tous ces grands péchés-là, demande déjà à Allah de t'aider à pouvoir les délaisser, tout en prenant toi-même l'intention de ne plus commettre ces péchés-là. Pas que pour le mois de Ramadan, mais pour tout le temps. Mais le mois de Ramadan va venir t'aider, telle une école, à pouvoir délaisser ses mauvaises habitudes. En même temps, on prend aussi l'intention de pouvoir épouser les bonnes habitudes. De la même manière que tu veux délaisser les mauvaises, prends l'intention d'épouser les bonnes habitudes, qui sont la prière, surtout la solat. Parce que souvent, on est paresseux dans la solat. On n'arrive pas à accomplir la solat comme il se doit. On prend l'intention de pouvoir accomplir la solat et assidûment, régulièrement, et de la bonne manière. On commence déjà à prendre cette intention-là, si on a cette faiblesse. Excusez-moi. On demande à Allah aussi de nous aider à faire l'un des objectifs dans le mois de Ramadan, qui est la générosité. D'être plus généreux dans le mois de Ramadan, de beaucoup se faire ce qu'on appelle l'ikram, de beaucoup se faire cadeau entre nous-mêmes. Et le cadeau, il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas forcément le fait de donner quelque chose qui est un cadeau, mais le fait d'aider quelqu'un à faire une bonne action, tout ça, c'est des cadeaux qu'on peut faire. Le fait d'accueillir des frères musulmans avec la bonne manière, avec la bonne humeur, tout ça, c'est des cadeaux. On prend toutes ces intentions-là déjà avant le mois de Ramadan. Et à l'approche du mois de Ramadan, on prend l'intention de pouvoir faire le mois de Ramadan comme il se doit. Et sur ce, je vais m'arrêter parce que j'ai pris assez de temps. Passer la parole à mon frère pour qu'il puisse continuer, Inch'Allah. Attendu. Comme Moaz l'a dit, je suis votre frère béni Islam du groupe Les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Ce jour, on se retrouve avec vous, en famille, entre frères, entre sœurs,
pour nous faire le rappel. Parce que le rappel est la meilleure chose qui puisse arriver ou être faire pour un croyant. Parce que l'homme est préoccupé par certains soucis de la vie qui font que nous oublions un tant soit peu l'essentiel, qui est Allah. Donc il est important de se retrouver dans ce genre d'assises pour se rappeler celui qui nous a créés, pourquoi il nous a créés, et lui rendre grâce pour ce qu'il nous fait subir comme épreuve. Hakila dit en assez quoi Allah. Pour qu'il y a l'onco, il y a tout le monde qui a l'air à la tigre. La diabolique sous-soubène la anka, anaka l'onco, ma samme trop Allah, allez le sonoma, adonia l'élignana. La solution n'appartient ni de la main ni d'un être humain, ni d'un ange, ni d'un djinn. Ni d'un marabout, ni d'un féticheur. La solution est dans la main d'Allah. Rappelons-nous tous l'histoire des prophètes qui, lorsqu'ils étaient dans les instants de difficulté de leur vie, ils n'ont pas fait recours à un charlatan. Ils n'ont pas fait recours aux hommes pour les secourir. Alors, la télanima, et tout le brayalo, on a dit, Aïma Adama de Wé, Aïma Dina Wé, Aïma Woklo Wé. Aïna Allah, Allah, quel est le père? On se rappelle du père Ibrahim, alayhi salam, lorsque son peuple adorait les idoles, au lieu tout bolibato là, il est. Mais Ibrahim n'est pas rentré dans ce culte satanique. Et Ibrahim a détruit les idoles. En Afrique, il y a bolibéti là. Lorsque les gens sont arrivés, ils ont vu que les dieux étaient saccagés. Ils ont commencé à s'interroger. Qui est-ce qui a détruit nos idoles? Alors ils se sont rappelés qu'il y avait un jeune homme dans la ville qui chaque jour parlait mal de ces idoles-là. Au Cameroun, dans tout le monde, on allait là pour avoir boli bateau main, on boli d'esprit sans foi, toujours. On allait le noyer. Allons derrière lui. Alors, ils sont allés attraper Ibrahim, alayhi salam. Et ils lui ont demandé, est-ce que c'est toi qui as saccagé nos idoles? Qui est dans la boli bêtise là? Ibrahim, comment vous pouvez m'accuser? Demandez à la plus grande idole qui se trouve là. Ko boliba mi lorini, kwaye o manyinga. Ko bena fo, mwomina to iki la, o bena atrigira ina. La personne qui a détruit les idoles là, la grande idole va vous les présenter. Va vous les présenter. Alors les parents d'Ibrahim le regardent, et puis ils disent, mais il est là, la foutaise. Hein? Mais comment tu peux nous demander de demander un statut? Comment il est ce qu'a fait? Comment peut-on nous demander une statue qui vous a cassé? Depuis quand toi tu as vu statue parler? Allahu Akbar. Ibrahim venait de leur montrer qu'en réalité, ils étaient dans l'erreur. Mais ils ignoraient eux-mêmes qu'ils étaient dans l'erreur. Et ils ont décidé de punir Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont pris, ils ont allumé un grand feu. Ils vont le brûler. Lorsqu'ils ont voulu le jeter dans le feu, Ibrahim alayhi salam n'a pas invoqué son père. Amma Baouri. Il n'a pas invoqué sa mère. Amma Baouri. Il n'a pas invoqué le soleil, la lune, l'eau, les bois, les montagnes. Il n'a invoqué rien de tout ça. Il n'a même pas invoqué un ange. Dans son instant de difficulté, si proche de la mort, où on s'apprêtait à lui ôter la vie. L'ange est venu lui demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On donne, on va voir. Il dit, tu ne peux rien pour moi. La seule personne qui peut agir,
Le seul être qui peut agir, c'est Allah. Il a invoqué Allah dans son épreuve. Et Allah va ordonner à sa créature qu'est le feu. D'avoir allumé les hommes qui croyaient contrôler le feu parce qu'ils l'ont allumé. Puisque c'est eux qui ont ramassé le bois, c'est eux qui ont allumé. Ils pensaient être le maître du feu. Alors que le feu est une créature soumise à la volonté d'Allah. Et quand Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah dans son épreuve, Allah m'y tati, Allah kotama, kotasma, kokasma et nema suma et Ibrahim. Soit une fraîcheur salvatrice pour Ibrahim alayhi salam. Ibrahim l'étalo l'okabla, tabo. Tabrahim n'a pas, moi n'étais ce qu'abreta là. Tellement la chaleur du feu pouvait détruire des êtres humains des kilomètres. À cause de son intensité. Mais Ibrahim, dans cette épreuve, on l'a dit à Bilbal, Allah n'a pas eu le tasma, il n'y aura pas de coquin, néné, il n'y aura pas de coquin, néma, Ibrahim, alayhi salam. Renverser l'épreuve en bonheur pour les croyants. En une seule possibilité, savoir qu'il n'y a que Allah pour m'aider à supporter, à surmonter mon épreuve, ma difficulté, mon souci et mon angoisse. Asmoudallah. 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 Voici la parole que le croyant doit réciter en interne, en intérieur, à Jusuku Kono. Car Allah là, tout à l'heure, le président Bamba, c'est ça? Président Bamba disait: perdre la vie, ce n'est pas perdre la vie. Allah Akbar. Perdre la vie, ce n'est pas perdre la vie. Est-ce pour autant qu'on doit perdre espoir d'exister? Parce que nous avons perdu un élément de notre être. Derrière ta difficulté, il y a une difficulté plus grande. Pendant que tu pleures que tu n'as pas de chemise, il y a un lit là, juste besoin d'une culotte. Il est cassé la poudre que tu gagnes. D'oreille, on m'a aussi de l'Irénée là. Quand ils sont déjà. Le peuple n'est pas une chose aisée. Et Allah ne nous donne rien que nous ne puissions supporter. Mais le supporter dépendra de notre degré d'iman. De comment on va réceptionner cette épreuve. Amena la dirabiri la béni saint du Mali. Ni ni menia ou bien ni du tout kassini à la nenni. Il nous rappelle dans la sourate 2, verset 155 à 156. Quoi y konoka y bena poko anyesramayi ko la dirabiri de la laïka. Allah rappelle dans le Coran pour dire de faire la bonne annonce à ces croyants-là qui ont su donner à l'épreuve sa valeur spirituelle, qui disent inna Ilahi wa inna ilayhi raji'un. Ko antila alay. Alele kolanga mi adai. Alele kobolanga mi adai. Ando ser ko to alele ba. C'est à toi que nous allons retourner. Tout est dans ta puissance, tout est dans ta volonté. Et tout retourne à ta gloire. Tout concourt à la gloire d'Allah. Ça dépend de comment nous l'utilisons et de comment nous allons l'exploiter. Allah il dit que là où il y a la difficulté, la facilité n'est jamais loin. Kogbraya Rondo. Anoya Romanja. Mais lorsque tu te libères à ton Seigneur Aspi, abaisse ton animal également. Ou retourne à la foi. Tout retourne à la foi.
savoir n'est pas une fin en soi. Rappelons-nous du seul aveugle pour qui une sourate est descendue dans le Coran. Ibn Maktoum, si je prononce bien, qui était un proche parent de Khadijat, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier-là faisait partie des premiers convertis de l'islam. Il était un aveugle de naissance. Mais il s'est converti sur quelle base? Est-ce qu'il a vu le prophète puisqu'il était aveugle de naissance? Il n'a pas vu. Il a entendu. Il a entendu. Et il a accepté. Et il a embrassé. Pendant que le prophète alayhi salatu wa salam était en train de chercher à toucher le cœur des hommes voyants, les non-filles de la mer qui cherchaient à toucher leur cœur, les nobles, les amener à comprendre le bien fondé, d'aider les nécessiteux, les veuves et les pauvres, de leur donner leurs droits, eux qui voyaient, Ibn Maktoum, lui, venait encore vers le prophète dans son état d'homme aveugle de naissance pour continuer à avoir la connaissance. Malgré quoi tout le monde est là, mais dans les minutes, en magiaoula, la paresse, il n'est pas tombé dedans. La facilité, il n'est pas tombé dedans. Parce qu'il a compris la parole d'Allah qui dit que ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs. C'est là qu'on sera Allah, alayhi wa sallam, qu'on adamadien parle sur le courant, qu'on fait l'oeil, qu'on a kanya, qu'on adamadien sur le bébé. Non, donc, à tiens, à bébé tiens. On dit ça, c'est quoi? Il dit le cœur, qu'on du second. Du second. Les yeux sont la porte d'entrée du bien comme du mal. C'est pourquoi Allah a dit de baisser le regard. Comment envier une belle voiture que je n'ai pas vue? Comment envier quelque chose que je n'ai pas vu? Je me souviens de ce jeune homme-là. Je me souviens plus de l'année. C'était quelque part à Bobo. Ce jeune homme-là a exprimé sa joie. Il dit, je suis très heureux. On dit pourquoi? Il était aveugle de naissance. Il dit, je suis très heureux. On dit pourquoi? Il dit, parce que Allah, il m'a fait la grâce de ne pas voir le mal de ce bas monde. Il dit, Allah m'a fait la grâce de ne pas voir le mal de ce bas monde. Et en même temps, il m'a fait l'honneur de m'ouvrir la vue des vues qui est la vue du cœur. Et avec cette vue-là, je ne peux que rester en intimité, en relation parfaite avec mon Seigneur. Alors, chers frères et sœurs en islam, la tristesse ne doit pas être votre vécu. L'abandon, le délaissement ne doit pas être votre vécu. Quel que soit l'état du musulman, Allah dit dans le Coran, vous êtes les supérieurs à une seule condition, si vous êtes de véritables croyants. Confie sa madame, olé sramaï, à quelque chose, allez le fils à ma vie, mais au crémia que la fils à ma vie, olé ni menia, car ni menia, au bébé. Car son ama à la cousso, car tout est à la cousso, car qui est à la cousso. Et c'est l'occasion pour nous également, comme le président nous a dit tout à l'heure en aparté, pour dire que la communauté musulmane, c'est une famille, c'est un bloc. C'est un édifice. Un édifice, c'est là où les briques se complètent. Les briques sont soudées, cimentées. Et nos frères et sœurs, ici présents, dans
cette épreuve ont besoin d'être accompagnés. Et ça, c'est leur droit. Sur nous, en tant que frères musulmans, sur nous, en tant que sœurs musulmanes. Regardez, pour avoir accès à ce siège-là, nous qui avons cette force vue, on a subi la difficulté pour arriver ici parce que l'endroit même est inaccessible. L'endroit n'est même pas praticable. Là, c'est pour nous qui voyons. Imaginez un peu pour nos frères, nos mères, nos sœurs qui ne voient pas, qui apportent cette voie pour arriver jusqu'à ce siège. Je n'imagine pas le nombre de chutes. Je n'imagine même pas le nombre de blessures. Je n'imagine même pas le nombre de difficultés pour arriver ici. Mais nous devons savoir, nous, en tant que musulmans, ceux à qui Allah il a fait la grâce de la fortune matérielle, que chaque fois qu'un de ces croyants aveugles, musulmans ou musulmanes, tombera sur cette voie, nous serons interrogés. Nous serons interrogés sur le fait que qu'est-ce que nous avons pu rapporter face à l'épreuve qu'Allah a fait subir à nos frères, à nos sœurs. Est-ce que nous avons aidé à avoir un endroit meilleur, un endroit plus praticable pour leur faciliter l'accès? Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que nous les avons assistés? Est-ce que nous les avons assistés dans leurs besoins de factures d'électricité, d'eau, d'ordonnance, de tout ce qui va avec? Parce que dans cette fonction, il y a des choses qui leur sont un peu difficiles d'accomplir. Et c'est dans la complémentarité que nous pouvons arriver. Et c'est ça l'islam. Je me souviens de l'histoire racontée par Confucius. Il y avait un aveugle et un paralytique. Chaque jour, l'aveugle se lamentait de son sort. Parce qu'il était abandonné de tous, vu son état. Tout le monde refusait d'être le support de sa charge. Et un jour, au détour d'une rue, l'aveugle a entendu un cri. Il a entendu une autre lamentation. C'était un paralytique. Il lui aussi pleurait sa difficulté, rejeté de tous. Il n'avait que le chien pour lécher ses plaies. Alors l'aveugle a entendu, il est arrivé auprès de lui. Et ils ont échangé. À la fin de l'échange, ils sont convenus sur un point. L'aveugle dit au paralytique, tu as quelque chose que moi je n'ai pas, et moi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Tu as la vue. Moi, je n'ai pas la vue. Mais j'ai des pieds. Et toi, tu es déficient, tu es défaillant de pieds. Et si on associait nos deux mots pour en faire un bien commun? Moi, je vais te porter. Et moi, je marcherai pour toi. Et à nous deux, nous deviendrons une seule personne. Et c'est ce qui fut. La solidarité, l'entraide et non le rejet. Déjà entre vous, vous devez vous aimer d'un amour sans borne sur la base islamique. Parce que vous avez une réalité commune. Et nous autres, nous devons être conscients et nous devons comprendre que la santé n'est pas une fin en soi. Tout être humain est un handicapé ambulant. Qu'il soit de naissance ou de maladie ou de parcours de chemin, on en a vu, on en a connu.
Et n'oubliez pas cette parole qui dit « Souhaitez pour autrui ce que vous souhaitez de bien pour vous-même. » Alors le cri de cœur que nous lançons de notre position, c'est d'interpeller la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette grande communauté, cette communauté forte, voici une réalité qui nous échappe. Nous avons délaissé nos frères. Nous avons abandonné nos frères. Il y en a même qui ont le désir de le faire, le désir d'aider. Mais ils ne tombent pas sur de bonnes personnes. Et ça, ça décourage parfois certains donateurs. C'est le lieu de rappeler ici, il ne faut pas abandonner de faire le bien pour la mauvaise foi de certaines personnes. Nos frères sollicitent votre aide. C'est bientôt Ramadan. Certes, pendant Ramadan, nous serons généreux. Mais il faut penser à être généreux à leur égard sur de long terme. Pensez à de bons projets pour nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent se prendre en charge. Oui, c'est à toi que nous nous adressons. Toi qui Allah a donné la fortune. Parce que sur chaque centime de ta fortune, tu seras interrogé. C'est à toi que nous nous adressons. Toi qui amasses la fortune dans des banques, tes souris de l'or. Pense à ces frères qui crient, qui t'interpellent, qui te lancent ces cris de détresse. Allah, il nous dit qu'il utilise l'homme pour combattre l'homme. Il utilise l'homme pour aider l'homme. Parce que Allah ne descendra pas du haut de l'échelle. Et je vais terminer par cette histoire, par cette anecdote. Il y avait un piroguier qui était au bord de la, au fond de la mer. Et le bateau a pris un coup. Ne pouvant plus revenir sur ses pas, il s'est mis à invoquer son Seigneur qui était son seul soutien. Asunallah wa ni'mal wakeel. Il a invoqué, Seigneur, je suis dans la détresse. Toi seul peux me sortir de cette difficulté. Et le piroguier se trouvant dans les fins fonds de la mer, invoqua son Seigneur. Et les gens qui ont suivi, il y a un grand bateau qui passait. Et le grand bateau, ils ont aperçu le monsieur qui était en détresse. Ils l'ont interpellé, ils ont voulu lui porter secours. Et le monsieur dit, non, je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai invoqué Allah qui va me secourir. Le bateau est parti. Un élite comme ça qui passait a vu aussi le fait de détresse. Ils se sont rapprochés. Ils ont descendu l'échelle. Le monsieur dit non. J'ai invoqué Allah. Allez-y, je n'ai pas besoin de votre aide. Ils sont partis. Et le monsieur a refusé toute aide venant vers lui. Et il est mort. Mais s'il était seul sur la mer, il est mort. Et il allait rejoindre son Seigneur qui l'interrogea. Il dit, Seigneur, j'étais invoqué. J'étais invoqué, Seigneur. Et tu ne m'as pas répondu. Tu m'as pas aidé, Seigneur. Voilà que je suis mort. Et tu veux me condamner? Non, on est pas seulement. Et avant de lui rappeler, n'as-tu pas vu le grand bateau là? Il dit, si, j'ai vu. N'as-tu pas vu l'hélicoptère qui a descendu l'échelle? Il dit, oui, j'ai vu. Ils pensent que c'est le hasard qui les a envoyés. C'est la réponse à ta prière. Parce que par l'homme, je sauve l'homme. Par l'homme, j'aide l'homme. Par l'homme, je combat l'homme. Qu'Allah vous aide. Et retenez que votre épreuve est l'épreuve de toute la communauté. Votre épreuve est notre épreuve à tous. Vos pleurs sont nos pleurs. Vos joies sont nos joies. Vos tristesses également doivent être nos tristesses. C'est notre devoir d'être triste avec vous, d'être heureux avec vous, d'être en joie avec vous, de partager avec vous. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas dignes d'être appelés musulmans. Amen.
La lecture. Alors, je pense que mon frère a cité, on va passer à l'état de l'échange. Donc, l'échange est ouvert, bien sûr, après que le président ait dit quelque chose. David, comment t'as-tu? Je voudrais dire merci encore une fois à nos frères de la BAM qui sont venus nous réjouir le cœur ce matin à travers tous ces messages. En tout cas, qu'Allah le leur rende multiple, voilà, qu'Allah les unisse davantage et qu'ils excitent de leur rang les hypocrites. Ils ont fait cette intervention et je crois que les échanges, c'est à nous que ça va revenir. Vous connaissez leur spécialité, c'est. Vous connaissez, non? Et je sais que vous avez beaucoup à leur dire. On les voit sur les réseaux sociaux, on n'a pas la possibilité d'aller dans les grands rassemblements. Mais ils sont venus vers nous aujourd'hui pour nous montrer leur amour. Et moi, je pense que c'est une opportunité pour nous de dire tout ce qu'on a envie de dire. Mais en tout cas, jusqu'à... bon, on verra bien jusqu'à 13h30. Ah, puis... bon, comme il y a un seul micro... Celui qui veut prendre la parole, qu'il le dise, et puis il n'a qu'à parler comme un garçon, quoi. Vous savez, celui qui était dans la mer tout à l'heure, le pirogue, la scène, c'est une faute. Donc, la parole est ouverte. La parole est ouverte, Inch'Allah. Celui qui désire poser des questions, voilà, qui se signale, je vais bien lui pour nous en attendant la préoccupation qui est placée à son micro. Alhamdulillah, donc on peut commencer déjà. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Bismillah. Poadio. Alhamdulillah. Monsieur Poadio, converti depuis 2005, a une question à poser. Il est 13h30. Je vais prier pour aller à Bobo. Est-ce que je peux prier 16h en même temps? Radio finit de prier 13h30. Est-ce que je peux prier 16h en même temps? Est-ce que je vais à Bobo? Bon. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Le frère, il demande, il dit il est 13h30, il veut aller à Bobo. Il demande s'il peut prier en même temps 16h. On va dire, prier le frère. Et... il veut coller les deux. Voilà, le cumul. Pour pouvoir aller. Donc, Alhamdulillah, déjà, ici à Bobo, c'est pas un voyage. À Bobo, c'est quand même à la porte d'à côté. Et il est 13h30. Logiquement, avant 16h, tu peux être à Bobo. Donc, il n'y a pas à réunir les deux prières. Ça se fait dans des cas particuliers où c'est un voyage. Tu vas dans une longue distance ou d'abord même dans le voyage, il y a le raccourcissement de la soirée. En plus, là où tu vas, l'heure de la solat va se trouver dans une position où l'heure de la solat qui suit va te trouver dans une position où tu ne pourras pas l'accomplir. Là, il t'est permis de mettre les deux ensemble et de pouvoir faire chemin. Mais je pense qu'ici à Bobo, comment tu finis de prier 13h30 là? 16h peut te trouver dans les parages.
Et encore même sur la route, il y a beaucoup d'endroits où tu peux faire ta sola. Donc, c'est de faire l'effort, faire ta sola de 13 heures, et puis arriver à Bobo, faire ta sola de 16 heures, Inch'Allah. Merci, c'est bon, Alhamdulillah. Allons-y, bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donne-lui le... Il y a pas de non non faut laisser non regardez le micro non ça va il y a un autre micro qui est plus direct vas-y salam alaikum salam va couper non mets le micro non mets le micro c'est pour la caméra c'est bon ça oui c'est bon comme ça c'est pas la caméra non je remercie les frères de la BAM brillant conférence très bien intervention. Ma question est la suivante. Le conférencier, dans les derniers propos, il a dit que Dieu combat l'homme par l'homme et il sauve l'homme par l'homme. Cela me prévient à l'idée de ce qu'on appelle tababou en islam. Quelqu'un qui est dans les difficultés, c'est vrai, on dit qu'il faut s'adresser à Allah. Après avoir s'adressé à Dieu, dans tes épreuves, est-ce qu'on va trouver des sababous, des bons sababous pour remédier à ces problèmes? Voilà, c'est ma question. Ça va, mon grand frère. Alhamdulillah, je pense que la question du frère était entendue et comprise. Hein. Mais je veux que le frère de l'islam, tout à l'heure dans ton intervention, tu as dit qu'Allah combat l'homme par l'homme et il secoue l'homme par l'homme. Donc, il demande, après avoir demandé à Allah le secours dans les difficultés, est-ce qu'il faut aussi chercher des hasbabs? Comme lui-même il a dit déjà, Allah utilise des hasbabs pour aider. Mais Allah, il y a la possibilité de ne pas utiliser ces hasbabs-là. Allah, il peut faire avec hasbabs, il peut faire même sans hasbabs. Il peut demander à Allah, exemple, d'aller en France. Allah peut te faire du. C'est-à-dire, il peut même envoyer la France vers toi. Tu es assis où tu es, et puis tu es en France. Allah, il a la capacité de le faire. Mais Allah aussi peut envoyer vers toi quelqu'un qui va t'aider à avoir un visa et qui va t'aider à avoir un billet d'avion pour pouvoir aller en France. Tout ça, c'est Allah qui peut le faire. Donc, ce qu'il a dit, c'est faisable. Après avoir demandé à Allah, il peut avoir recours aux gens. Ça, c'est pas un problème. Tu as par exemple besoin d'apprendre l'islam, par exemple. Bien, je pense que ça, même, c'est encore trop. Tu as besoin d'avoir un bien matériel quelconque. Demande à Allah, à travers tes pouvoirs, de pouvoir t'octroyer ce bien matériel-là. Mais si aussi, entre-temps, tu connais quelqu'un qui peut t'aider à l'avoir, tu peux aussi l'approcher et lui faire la demande. Tout comme maintenant, nous l'avons fait tout à l'heure. On peut simplement demander à Allah de secourir votre association, de vous envoyer des personnes. Et puis, c'est limité à ça. Mais on le demande dans notre droit, mais aussi, on lance un appel aussi à ces personnes-là pour qu'elles puissent entendre et venir aussi. Et dans ce cas-là, Allah les utilise eux comme asbab, comme ça va vous. S'ils viennent, c'est Allah qui les a envoyés. Parce que, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. On ne peut rien vouloir tant qu'Allah n'a pas voulu auparavant. Donc, lorsqu'on lance l'appel à